Jodi an c'est 4 mai 2022, information chaude rapide qui sortit directement dans immigration américaine qui pral faire en pile qui est content ou même qui en Haïti, qui Brésil, qui Chili, qui la Turquie, information importante pour nous parce que nous pas jamais connaît à qui moment n'a mettre pied dans pays ça. Mais ou même qu'a vivre les États-Unis d'Amérique déjà, c'est extrêmement important pour tendre information ça. Mais juste avant que nous aller plus loin avec vidéo ça, m'a envoyé une salutation spéciale by Joël Triville qui en Haïti, Pierre-André Passion Port-au-Prince et spécialement Canaran, Dario Jean-Charles, ça qu'a fait Dario comment est et sans pas oublier Jean-Maxime qui en Haïti qui toujours partagé by la commenter. Si vous voulez me saluer dans section comme maintenant, quittez nom et puis dites-moi qui côté vous regardez vidéo acheter bonne. Nous pas perdre du temps, on a direct dans information qui concerne nous qui gain pour avec immigration américaine vers tout immigrant. OK, information que me porter pour là, m'a diviser en deux parties. Première partie là la pour moun qui cherche joindre un visa pour venir travailler aux États-Unis et deuxième partie là la pour moun qui déjà a vivre dans pays. Notez bien. Si vous son moun qui déjà a vivre dans pays, qui attendez, qui regardez vidéo ça, m'a invité ou rester jusqu'à la fin parce que c'est extrêmement important. N'a commencé avec moun qui cherche joindre un visa pour venir travailler les États-Unis. En pile dans nous là qui va appliquer pour visa H2B, HDA, souvent dit programme ça pas pour haïtien parce que normalement les nous écrit compagnie nous manquer joindre réponse et bien ça et ben nous sentiment que yo pas prend haïtien dans programme là. Au contraire, c'est nettement différent de ça nous même nous penser. Et bien l'entête qui gagne pour nous joindre réponse yo pas sorti beaucoup de patron yo beaucoup de compagnie. Au contraire, patron ça ou ta bien aimé joindre nous pour venir travailler ensemble avec parce que normalement gagne en pile travail mais c'est très peu de monde qui courir des types de travail que patron offre. Par exemple, travail dans McDonald's, dans Walmart, travail dans jardin, cueille pomme, cueille tomate. Un citoyen américain presque pas intéressé dans type de travail ça. Et même un immigrant qui vit dans pays, automatiquement il gagne papier légal, il presque pas de travail $15-16 encore de chercher l'autre bagaille pour faire business. Et bien travail ça presque travail abandonné. C'est pas compagnie, c'est pas monde qui responsable, yo pas le voyer chercher nous tout de suite pour venir travailler dans pays, mais au contraire problème dans chita en dans immigration qui a mal marché qui très lent dans moment parce que normalement l'on fait une demande avec une compagnie nous écrit compagnie tout gain démarche pas pour le faire vers immigration, vers ministère du travail etc. Faut le temps d'autorisation avant pour le voyer chercher. Tout autant qu'il pas une autorisation ça, il pas gain aucune façon lui même les cas là on comprend. Mais normalement on a directement dans information qui concerne n'a plutôt passé dans deuxième phase là ou après réellement y a besoin de monde pour travailler et ou même qu'à vivre dans le pays en tout m'a dit qui ça ou même ou bénéficier. OK, majorité monde qui entre dans pays ça illégal automatiquement qui arrive yo fait un processus asile et si ou approuvé asile là yo tout gain accès à un work permit. Work permit là qui c'est permis de travail, il valide seulement pour 12 mois. Après 12 mois, on gagne seulement 180 jours ou bien 3 mois pour capable renouveler. Mais si devenne pour dans 180 jours ça, c'est dans moment ça immigration t'a mal marché, t'a projet a marché dans moment là, pas que porte 6 mois, 1 an ou pas répondre monde qui déposer, monde qui demander pour renouveler etc. Laisse on pas le grand pile problème parce que normalement ou pas ka rete dans travail qui ou hier et patron tout pas ka kembe ou aucune autre compagnie va pas au travail parce que normalement travailler avec un work permit qui expiré son crime ou quand même déporté pour ça. Vin joindre là tout problème ça ou qu'on y a monde qui responsable yo patron yo commence à questionner immigration parce que normalement il y a un pile étranger qui mande visa H2B HDA immigration pas bay réponse rapide à compagnie yo et si yo pas gen autorisation pas ka voye chercher et moun ki fait crive yo seulement gen work permit qui valide seulement pour 1 an et après 1 an si yo pas gen renouveler dans 180 jours yo pas ka travail laisse ça compagnie yo a souffri place travail yo vide etc. Et bien normalement je dis que c'est 4 mai 2022 immigration tande cri patron yo parce que normalement yo comprendre ki gen carence en main d'œuvre yo augmenté work permit là qui était valide pour 1 an, li passé à 2 ans. Ou même qui dans pays, c'est bonne nouvelle qu'a fait processus asile etc. Ou pral gen konn y a un work permit qui est valide pour 2 ans. Et 180 jours qui ont été gen pour renouveler là, li passé konn y a à 1 an et demi. Cela veut dire que après 2 ans fin passé, ou ap carré de travail jusqu'à 1 an et demi. En cas où tu apprends temps pour renouveler, etc. Non seulement tu pas de travail jusqu'à 1 an et demi après date d'expiration, mais tout ou pas besoin de retourner dans l'immigration pour demander renouveler le document. Ça, l'a fait de façon
automatique. C'est bonne nouvelle, mais ou même tout qui en Haïti, qui Brésil, qui Chili, qui la Turquie, c'est pas hésiter à appliquer écrit compayo 24 sur 24 parce que dans moment là, il y a un pile de matchs qui a fait pour comment capable accélérer ça fait toute demande visa H2B, HDA, toutes affaires immigration pour le marché beaucoup plus rapide. Ok, moi souhaite que tout le monde comprenne la vidéo ou même qui déjà les États-Unis d'Amérique ou apprenne que si on a processé asile ou pas le recevoir permis de travail actuellement là, permis de travail qui ou pas le gagner, la valide pour 2 ans et ou pas carré de travail ensemble avec lui après 2 ans jusqu'à 1 an et demi et ou pas besoin de retourner dans l'immigration pour renouveler. Et ou même qui en Haïti, qui Brésil, qui Chili, qui la Turquie, qui Saint-Domingue, n'importe côté qui ou y a, ou rêver de travailler ici là, ou découvrir tout qui réellement paye à chercher moun. Et ce n'est pas ni compagnie qui peuvent le faire une réponse tout de suite, mais au contraire, problème dans c'est dans l'immigration qui le chita et actuellement là, il y a travail d'arrache-pied pour être dans quelle mesure il est capable d'accélérer tout processus de demande d'immigration. Cela veut dire que vous avez pour devoir continuer à voir CV, continuer à contacter les compagnies qui vous joignent, accompagner acheter brand de prêt pour découvrir toute nouveauté qui gagne dans affaires, programmes, visa, voyage, etc. Moi, allez, je vous rejoins très bientôt dans l'autre vidéo.